Yeah. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que ça se passe bien. On va prendre un temps dans la parole ce matin. Et il faut savoir que lorsque euh, on est enfant, on profite un petit peu du, du bien de l'héritage de nos parents. On profite de ce qu'ils ont, de, de, de tout ce qu'ils ont dans la maison. Et on en profite sans trop réfléchir. Mais plus on va grandir, plus on va devenir participant à l'ensemble. J'aimerais qu'on prenne ce matin un texte dans l'Épître aux Galates au chapitre 6 et au verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. La première chose, c'est qu'il y a un terrain, un champ, un territoire, une acquisition légale qui nous est donnée. Dieu te donne et t'a donné un champ, un terrain, un territoire. Il est à toi, il t'est personnel. Ce terrain, c'est un héritage que le Père te lègue dans sa souveraineté. C'est un acte qui a été signé, notarié dans les cieux par le doigt de Dieu. Et cela fait partie, cela englobe ta destinée. Et tous, sans exception, chaque personne, tous nous sommes propriétaires d'un héritage qui nous est confié. Même si on habite un tout petit studio. Cela n'empêche pas que Dieu nous a confié tout un héritage, un terrain et un champ. Il est à nous. Il faut savoir aussi que Dieu a une vision élevée pour ta vie. Nos oppositions, nos doutes, nos combats ne changent rien à ce décret que Dieu a, posé, a déposé sur nos vies. Les temps d'arrêt, les temps de découragement... Les temps plus difficiles ne vont jamais rien changer à ce que Dieu a dit et ce que Dieu t'a donné. C'est un bien, un acquis, tu en es le propriétaire parce que Dieu te le confie. Comme je l'ai dit, lorsque je suis enfant, je profite des biens de mes parents sans réfléchir plus loin. Mais lorsque je grandis, je deviens participant à l'ensemble. Et comme un Père bienveillant, il va nous former, il va te former pour que tu puisses petit à petit gérer et faire fructifier l'héritage que tu as reçu. En Jésus, au début, je profite sans trop réfléchir des biens de la maison. Mais comme nous ne restons pas des petits-enfants, aucun de nous, on, reste, on est resté un petit-enfant, on a grandi. C'est un processus normal de la vie, c'est un processus spirituel normal. Et comme nous grandissons, nous devenons participants et responsables avec Dieu et nos frères et sœurs de l'héritage personnel ainsi que de l'héritage collectif. La première vision donc que tu es appelé, que nous sommes appelés à porter, la première vision qui nous porte, c'est l'héritage, le terrain que Dieu nous confie. Le fait de savoir, je sais que cela m'appartient. Je sais que tout est à moi, que cela m'a été confié et donné, et c'est à personne d'autre. Ce que Dieu m'a donné, c'est bien à moi. Ce que Dieu t'a donné, c'est à toi. Maintenant, le terrain que Dieu te donne, ce n'est pas une maison clé en main. Le terrain est souvent en friche, et tu vas devoir construire, bâtir, avec les capacités qui sont les tiennes. La seconde chose, c'est de découvrir et connaître ce terrain. Alors, les promoteurs immobiliers, en tout cas certains promoteurs immobiliers, vont, ont souvent une vision de grandeur et ils vont faire des maquettes du projet qu'ils ont sur le cœur ou du bien qu'ils ont acquis. Ils en font une maquette pour pouvoir visualiser, voir ce qu'ils veulent entreprendre et faire. Le terrain est en friche, le terrain est brut, ou peut-être il y avait des anciennes constructions, mais eux, ils projettent déjà ce que ce terrain va devenir et ce qu'il deviendra. La maquette leur permet d'avoir une vision permanente de là où ils vont, du but, de l'objectif qu'ils se sont fixés. Dans le terrain que Dieu m'a confié, si je vois uniquement le terrain en friche, alors je vais parfois me décourager. Non, j'ai besoin d'avoir une vision de l'aboutissement. Dieu m'a donné un terrain, mais il m'a donné une vision pour ce terrain. Et j'ai besoin de connaître la vision de Dieu sur ma vie, la vision du terrain qu'il m'a confié pour pouvoir avoir l'objectif devant mes yeux et savoir où je vais, où je marche, ce que je fais et pourquoi je le fais. Une vision de la finalité va me donner de la force à l'ouvrage. Quand le découragement est là, je vais porter dans mon cœur cette maquette, c'est-à-dire la finalité, là où je vais, là où Dieu m'amène. Dieu nous donne dans notre marche une vision de la maquette ou d'une partie de celle-ci, et plus tard, il va nous redonner des indications de ce qu'il veut de nous. C'est-à-dire que Dieu ne nous laisse pas sans repère dans nos vies il place en nous la vision de ce qu'il veut en tout cas une partie de la vision de ce qu'il veut pour autant qu'on le veuille aussi et c'est important pour nos vies et Dieu le sait on a besoin de savoir euh, de savoir où l'on va on a besoin de connaître les objectifs où nous allons on a besoin de connaître d'avoir une vision du terrain euh, du terrain que Dieu a pour nous pour pouvoir euh, avancer, progresser avec de bons objectifs. Sinon, on va commencer à tourner en rond. Si on ne connaît pas le territoire, le terrain reçu, on tourne en rond et on ne sait pas à quoi servent nos vies. Si on n'a pas d'objectifs précis, je vais à gauche, à droite, au gré de mes idées et au gré du vent. Je vous donne trois exemples. Jacob, le patriarche à visualisé Rachel. Il aimait Rachel et il voulait absolument obtenir Rachel. Et il a travaillé dur pendant sept années, et pendant sept ans, pour pouvoir obtenir Rachel, pouvoir se marier avec. Malheureusement, au bout de sept ans, il s'est réveillé avec Léa. Mais il ne s'est pas découragé il a continué à être porté par la vision de Rachel. Et là, en portant la vision de Rachel, après sept nouvelles années, il a pu obtenir Rachel. Jésus, il nous a dit que, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Donc, il a une vision de la finalité. Le terrain est complètement en friche, il n'y a rien. Mais Jésus voit le salut. Jésus voit l'Église. Jésus voit ton salut. Jésus voit la vie éternelle pour nos vies. Jésus voit les nations. Et il est prêt à donner sa vie, et il donne sa vie, accepte de mourir sur la croix, parce que derrière, il voit l'objectif, c'est-à-dire notre salut, la vie éternelle et notre réconciliation avec le Père. Quand on connaît le but, quand on connaît l'objectif où nous allons, il est beaucoup plus facile de supporter, de porter les difficultés. Prenons un autre exemple, celui d'Abraham. Abraham va parcourir le terrain qui lui est confié tout d'abord. Ensuite, Dieu va le faire rêver à deux reprises, même encore plus, mais Dieu va le faire rêver en tout cas à deux reprises. Une fois, il lui montre les étoiles qu'il y a dans le ciel et lui dit, ce sera ta descendance. Une fois, il lui montre le sable qui est sur le, sur le bord de la mer, et lui dit, mais autant il y a de, sable, autant nombreuses sera, de grains de sable autant nombreux sera ta descendance. Pourtant, Abraham ne voit rien, son épouse est stérile et ne voit rien de ce que Dieu lui a dit. Mais la vision que Dieu lui donne, cet héritage, cette promesse que Dieu lui donne, va habiter son cœur, va habiter ses pensées. Il sait où il va parce qu'il est pris, saisi par la vision que Dieu a déposée dans son cœur. Et pour, pour toi, pour moi, pour nous, J'aimerais te poser une question, mais qu'est-ce que tu visualises ce matin Qu'est-ce que Dieu te fait visualiser Qu'est-ce que tu portes en toi Quel est ton rêve Quels sont les rêves de Dieu en toi dans ta vie Qu'est-ce qui habite ta vision Peut-être dans cette période de corona, cette période de confinement et même l'après-confinement, c'est une période où on a peut-être perdu le rêve de Dieu en nous, ou une partie du rêve de Dieu en nous. Mais j'aimerais te dire, reprends la vision, reprends le rêve que Dieu t'a donné, reprends l'objectif, le, le, le travail sur le terrain que Dieu te confie. Parce que la vision que Dieu te donne, elle est ta force, elle est ton espérance, elle est ton avenir terrestre et céleste. J'aimerais rappeler ça. La vision, le rêve que Dieu te donne, c'est ta force, c'est ton rêve, c'est ta capacité de marcher ici-bas. Elle détermine ton avenir terrestre et ton avenir éternel. Mais des fois dans nos vies, il n'y a plus rien. Et tu peux me dire, mais peut-être, oui, mais euh, pasteur, moi, je, je ne vois rien. J'ai eu des rêves, mais je ne vois rien. Je ne vois pas la vision de Dieu implantée en moi. Jacob a vu Rachel, même s'il a eu Léa, il a poursuivi son œuvre et il a obtenu Rachel. Oui, mais je ne vois rien. Abraham a vu des étoiles, <laughs> Abraham a vu le, le sable, mais il ne voyait rien. Mais il a persévéré et il a vu Isaac et ensuite toute une descendance dont nous sommes bénéficiaires. Oui, mais je ne vois rien. Jésus a vu la croix et il a vu des clous dans ses mains. Mais derrière, c'est le salut pour ta vie, pour ma vie, et nous sommes encore au bénéfice de son œuvre et de la vision qu'il portait. Alors j'aimerais te dire, mais peu importe les circonstances, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, peu importe les oppositions, les découragements, et même si tout te dit le contraire aujourd'hui, ce n'est pas du tout un problème. Parce que ce que Dieu a dit de toi, ce que Dieu a dit que ça c'est ton champ, Dieu l'a déclaré. Et c'est ce que Dieu dit qui est la vérité. C'est valable pour notre identité, pour notre vie, mais c'est valable sur le terrain, sur ce que Dieu t'a donné ici-bas. Ce que Dieu proclame et prononce, c'est ça qui est la vérité, même si aujourd'hui tu as l'impression de vivre le contraire. Ce qui compte pour toi aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Ce que Dieu a dit à Abraham, c'est ça qui était la vérité. Ce que Dieu a dit sur ta vie, la vision, le rêve qu'il a pour toi, c'est ça qui est bon c'est ça que tu es appelé à connaître. J'aimerais même te dire qu'il est normal que ce qui est implanté en toi soit combattu, que tu connaisses l'opposition, les questionnements, parfois les doutes, les remises en question. L'opposition n'est pas une fatalité, mais un moyen que Dieu te donne pour que tu puisses t'approprier ses biens. Ce que Dieu a dit de toi est pour toi. Il faut le connaître et cela te permet de savoir où tu vas, te permet de poursuivre une direction. Ce décret de Dieu déclaré dans les cieux sur ta vie, c'est un décret de Dieu qui est déclaré dans les cieux, signé par le doigt de Dieu, ce décret-là sur ta vie ou sur l'église, sur une région, nous le faisons nôtre, c'est-à-dire je le fais venir sur terre et je me l'approprie dans mes réalités, ce que Dieu a dit sur toi. Tu le fais venir sur terre par ton action, par ta prière, et tu, tu te l'appropries dans tes réalités. Alors, il est important que tu le connaisses. Ton territoire, ce qu'il est, c'est d'abord ta vie. Bien évidemment, c'est ton entourage, tes proches, mais ensuite, ce sont les dons, les capacités, euh, les moyens que tu as qui vont te permettre d'œuvrer sur ce terrain. Les choses que Dieu fait brûler sur ton cœur ou qui brûlent sur ton cœur, la passion qui est déposée en toi sur tel ou tel domaine, ce, cela fait partie complètement des terrains que Dieu te donne. Le terrain que Dieu te donne, cela touche, cela impacte les personnes qui sont autour de toi. En réalité, ton territoire, c'est l'influence, l'impact que ta vie a dans la moisson, que ta vie aura dans la moisson. Parce que nous courons vers une chose, c'est vers la moisson, et une moisson finale. Et tu n'es pas seul, tu as des frères et sœurs, tu es un des éléments au sein d'une équipe, et cette équipe, elle a un nom, elle s'appelle l'Église. L'Église avec un grand, et l'Église locale aussi. Tu as ton champ au sein d'une tribu, au sein d'une famille. Tout nous amène, comme je l'ai dit, tout nous conduit vers une moisson finale. Nos vies données à Jésus lui sont livrées pour être une offrande en vue de, de multiplier la moisson, en vue de semer pour cette moisson finale. Ensuite, il y a ce que l'on sème. Au verset 8, il est dit ce que... Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ce qui va pousser dans ton champ, c'est ce que tu as semé, il va de soi. Je ne peux pas m'attendre à autre chose que ce que j'ai semé. Si je ne sème pas, je ne peux pas m'attendre à une récolte. Et si je sème des concombres, je ne peux pas récolter des pommes de terre. C'est une loi de la nature évidente, mais c'est une loi spirituelle aussi. Je ne peux pas m'attendre à autre chose que ce que je sème. Et dans l'esprit, l'en est de même. Sur le terrain qui m'est donné, qui t'est donné, il y a ce que, ce que tu sèmes. C'est le type de semence que tu sèmes qui produira, le, qui produira le fruit correspondant. Dans le contexte de, de Galate, juste petite parenthèse pour y venir dans le contexte de Galates Paul est en opposition virulente avec les gens les judaïsants qui veulent contraindre à la circoncision c'est-à-dire un retour à la loi et mélanger le salut par la foi par la grâce et le salut par les œuvres il y a un mélange où Paul va vraiment s'opposer de façon virulente. C'est-à-dire que ces hommes pensent que les œuvres de la loi vont compléter le sacrifice de Christ, voulant ainsi plaire à tous, annulant le scandale de la croix. Et ces hommes, en réalité, s'aiment pour le chair, leur, leur propre chair et jettent le chaos dans l'Église par une fausse doctrine. Ils s'aiment pour la chair par leur vision, engendrent une division et chaos. Et leur par leur attitude, cela produit vraiment une mauvaise semence. Et si nous regardons si le contexte plus précis du chapitre 6, du texte que nous avons lu, c'est clairement, il est par clairement parlé des, des finances. Ce que je sème dans le domaine des finances. Et, et, et là, l'apôtre Paul est très clair par rapport à ça. Si je sème pour l'esprit et par l'esprit, je moissonne ce que je sème. Dans ce que j'apporte, je le prends dans la globalité. Mais dans le contexte de Galatis, ça nous parle très clairement de finances. C'est-à-dire que je récolte ce que je sème. Sur le terrain que tu as, il y a ce que tu sèmes, et il y a aussi pour qui tu sèmes. C'est-à-dire tu vis pour qui et pourquoi. Tous nous semons, ou la plupart d'entre nous nous semons, mais nous semons pour nous, pour notre chair, ou dans la dimension du royaume. Je connais des, des personnes qui sont très visionnaires, qui, qui travaillent de façon, je dirais, intentionnelle et intensive pour le champ qu'il leur est confié, mais ces personnes souvent le font juste pour leur propre personne et oublient qu'on est là en tant que chrétien pour servir Dieu et servir les autres. Si je sème pour ma chair, je récolterai pour ma chair dans le temps présent, mais aussi pour l'éternité. Si je sème... Par l'esprit et pour l'esprit, je récolterai dans le présent et dans l'éternité ce que j'ai semé pour le royaume. Un autre aspect, j'aimerais te dire, mais repose-toi aussi confortable. Assieds-toi sur une terrasse, mais n'y reste pas trop longtemps. Je prends un texte dans Marc 4. Au verset 26, il dit encore Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout est formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. L'agriculteur qui est devant son champ, qui a travaillé son champ, qui a labouré, qui a ensuite ensemencé, qui a porté les semences en terre, Recouvre la terre et le champ est tout nu, il est vide, mais l'agriculteur ne s'arrête pas de devant son champ, les bras croisés et attend que le champ produise son fruit. il peut rentrer, il peut dormir tranquillement, il sait qu'au temps important cela la semence va pousser et pour nous, c'est la même chose, mais parfois ces temps nous perturbent, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on a semé, mais ce qu'on a semé doit tomber en terre et mourir. Et quand c'est mort, on ne voit plus la, la semence. Et ces choses, ces périodes-là peuvent nous perturber parce que ce sont des temps de calme, des temps où nous n'avons plus rien à faire pour que le champ produise. Et c'est pour ça que je te dis, mais repose-toi confortable par moment. Parce qu'il y a des moments où il faut déposer les choses, il y a des moments où tu as fini ton travail sur un terrain ou sur un domaine. Nous avons fait notre part et ça s'arrête. Ce n'est plus notre part, c'est ce plus notre action. La semence ne se voit plus, elle est en terre et sans que l'on sache comment l'œuvre se fera. Ce que tu as semé de la part de Dieu, même si tu n'en vois pas le fruit aujourd'hui, il y a des choses que tu verras dans le présent, il y a des choses que tu verras un peu plus tard, et il y a des choses que tu ne verras pas ici-bas. L'important, c'est d'avoir fait avec le cœur de Dieu, avec ton cœur, ce que Dieu t'a demandé de faire et d'accomplir. C'est-à-dire tes capacités, les capacités de Dieu en toi, tes rêves, ton œuvre, ton service, tout, tout ce que Dieu t'a confié, toutes les semences que Dieu t'a confiées, chacune de ces semences, à un moment donné, sont implantées, sont posées en terre. Et ces semences vont mourir. Parce que si l'agriculteur garde ses semences dans la main, jamais elles ne vont produire le fruit pour lequel elles sont destinées. Elle est dans les capacités que Dieu t'a données, les choses que Dieu t'a données. Il arrive régulièrement que ces choses tombent en terre et doivent tomber en terre pour pouvoir porter le fruit pour lequel elles sont destinées. Mais ces choses nous perturbent. Alors, celui qui a une mentalité de fourmi, c'est-à-dire qui aime bien bouger à gauche, à droite, qui est actif, c'est très perturbant ces moments de, de calme, ces moments où il faut rester tranquille et juste laisser voir Dieu agir et Dieu faire. Celui qui a une mentalité de cigale, il, il s'y retrouve plus parce qu'il n'a rien besoin de faire. Mais ces temps où la semence doit mourir sont des temps importants parce qu'elles nous replacent dans, ce que, dans notre condition. C'est-à-dire qu'elles remettent nos limites et des, des, des justes limites dans notre œuvre. Ce qu'on fait de la part de, de Dieu et pour Dieu, et ensuite c'est l'œuvre de Dieu qui doit se faire. Mais il y a une tension dans nos cœurs, des moments où je suis indispensable et si je pose les plaques sur tel terrain ou tel engagement, alors si j'arrête mon engagement, les choses vont s'éteindre. Et il y a des moments où je me rends, où j'ai l'impression d'être indispensable, et je me sens même tellement indispensable que je deviens bloquant. Donc c'est une tension parfois en nous. Mais savoir que certains, certaines choses doivent mourir pour porter leurs fruits. Donc nécessaire, je dois mettre en terre la semence, elle doit mourir pour porter le fruit pour laquelle elle est faite. Si tu la gardes en main, elle ne produira pas son fruit. Je dirai encore une chose, c'est que le délai, les timings avec Dieu, c'est un peu comme dans le bâtiment. Ils sont extensibles. On ne sait pas. Je finis ce dernier point rapidement. Au verset 9, il est dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » À la fois, il faut se reposer par moments, mais il ne faut pas se relâcher. Il ne faut pas se lasser. Se lasser, c'est... Euh, on peut traduire se relâcher, perdre courage, se perdre, être absolument sans vigueur, sans force, abattu, épuisé. Et là, le texte dit, mais attends, il y a des moments où, effectivement, les temps étaient difficiles, les temps étaient douloureux. Tu as attendu quelque chose, tu l'as pas vu. Tu, tu as investi pour quelque chose, tu en as pas vu le fruit. Tu, tu, tu as fait certaines choses et parfois il y, a, il y a une certaine souffrance, une certaine blessure, parfois une certaine déception, et puis une, une usure, une fatigue. Et Dieu, il nous dit et il te dit ce matin, comme il me le dit, ne te lasse pas de faire le bien. N'arrête pas de faire le bien. Ne te lasse pas de, de, de bénir les autres dans tes engagements. Même si tes engagements se réorientent, ne te lasse pas de faire le bien. Ne te relâche pas. Parce que ce que tu sèmes maintenant produit du fruit pour l'éternité et pour ton éternité. Dieu compte encore sur toi. Dieu t'a amené à un certain point, à un certain but. c'est pas pour que tu t'arrêtes en cours de route. C'est parce qu'il a une vision encore plus élevée pour ta vie. Il a une vision d'une largeur plus grande pour toi. Et c'est pourquoi il te dit encore, mais ne lâche pas, ne renonce pas. Comme Jacob s'est réveillé avec Léa, il a continué à bosser pour avoir Rachel. Continue à bosser pour le rêve que Dieu t'a donné. Ne perds pas cela de vue, ne te décourage pas, ne te lâche pas et ne relâche pas. Les choses qui reposent sur tes épaules les choses qui t'appartiennent que dieu t'a confiées les rêves qui sont en toi même si à ce jour tu vois le contraire j'aimerais vraiment te dire de la part de l'esprit de dieu reprendre la force reprendre la vie quelle que soit l'ampleur de ton engagement quelle que soit l'ampleur de ta vision reprendre la force aujourd'hui reprendre la force reprendre la vigueur reprends ton zèle et ta disposition le temps vient le temps de la moisson arrive et participe, soit participant à cette moisson. Continue à aimer, continue à servir, continue à investir, continue à faire du bien autour de toi, envers les frères et sœurs dans la foi, mais envers, envers les personnes de ce monde, partout où tu es engagé, continue à faire le bien. La récolte vient aussi pour toi. Que son nom soit béni. Amen.